Eh bien écoutez, moi ça va super aujourd'hui, toute nouvelle vidéo du Let's Play Minecraft, donc on est à l'épisode 3. Aujourd'hui l'objectif du jour ça va être tout simplement de craft le portail du Nether, mais pour aller dans le Nether tout simplement et commencer à farm pour avoir les Ender, comment ça s'appelle, les œufs de l'Ender quoi, pour justement ouvrir le portail de l'Ender qu'il faudra trouver juste avant bien sûr. Ok, donc c'est parti. Déjà, on avait une bonne base à l'épisode précédent. On avait trouvé pas mal de choses. Pas mal de choses, tout simplement. Voilà. C'est Obijawa du montage, juste pour vous dire qu'il y a plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je vous invite à le faire. Voilà, si vous regardez ma vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, vous cliquez sur le petit bouton rouge et vous activez la cloche de notification. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao! Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut crafter? Ok, bon, c'est parti. On avait fait un bouclier aussi, j'avais oublié de le mettre. La hache, on va la prendre juste ici. On avait trouvé du diams également. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va poser les choses inutiles. On a pas mal de sel. Je vois aussi des livres. Protection contre les explosions. Il va falloir qu'on se fasse une enclume pour enchanter tout ça. Les TNT, on les prend pas. Poisson, on garde la nourriture quand même. Ça, on garde. Le fer, on garde aussi. Les sticks, quoi qu'on va les garder, ça sera mieux, je pense. Les livres, on va les garder pour les bibliothèques. Ça va être pas mal utile ça et voilà. Ok, donc on va faire cuire le poisson et pendant ce temps on va aller farm un petit peu de nourriture juste là. Hop, on va tuer cette poule. Je vois qu'il y a pas mal de mobs qui sont morts autour, il y a des flèches juste là. Alors est-ce que j'ai pas quand même de la... On va manger ça. Oula, désolé pour ce petit message, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est un message YouTube en plus. Le petit poulet. On va prendre la vache juste là-bas. Hop, ce poulet, la vache et un mouton également. Là-bas je vois une grotte. On ira voir si c'est intéressant. Hop, allez, on tue cette petite vache, on se fait un maximum de nourriture. Là-bas, je vois un village, on va y aller également. Je sais pas si c'est le village du premier épisode. On ira voir du coup. Hop. Et le cochon, c'est bon. On a pas mal de bouffe. Donc, déjà, on va se remettre bien. Mince, on a empoisonné. Ok, déjà, on va se mettre comme ça on peut courir. On va revenir à notre base pour prendre le poisson qui a du cuir et voilà. Aussi il va falloir qu'on fasse pourquoi pas un champ avec des légumes et tout ça. Ça pourrait être pas mal. Quoi ça là-bas? Ah c'est un arbre. Il y avait une maison un peu bizarre. Hop, voilà, on est pas mal. Donc là il y a un bloc d'obsidienne. Là c'est vraiment pas du speedrun, hein. On va prendre notre temps. Hop. Faire cuire le bœuf. Oh, le poisson il régénère pas mal de bouffe, c'est nice. On va se faire un autre four. On va se faire un autre four. Hop, qu'on va poser juste là. On va mettre la moitié ici et on va faire cuire ici du viande de porc cru. Oh, c'est trop stylé, ils ont rajouté un petit son pour le four. Un petit son de choses qui cuisent quoi. Ok, mais je sais pas si ça a été, mais en tout cas c'est ultra stylé. Alors donc maintenant on va aller par là-bas du coup et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre on va aller voir ce petit village justement. Donc j'espère qu'il y aura pas mal de choses à l'intérieur. En principe dans les villages il y a toujours des choses, sauf comme je vous l'ai dit précédemment si c'est le village du premier épisode, et là ça sera un petit peu dommage. Ouais, ça sera un petit peu dommage parce que du coup on aurait fait tout ce chemin pour rien. Je voulais vous dire aussi par rapport à la survie, si vous avez des défis à me proposer que je réaliserai dans les prochains épisodes, n'hésitez vraiment pas. Donc dans chaque vidéo je vais réaliser un défi hein, pour que ce soit plus fun. Le défi de cette vidéo déjà ça va être de faire le portail du Nether. Et voilà, tout simplement de faire le petit portail du Nether. Le petit compost juste là, parce qu'on peut X-ray avec. Donc j'aimerais bien essayer, pourquoi pas. Il faut un compost on va prendre ça avec ça, voilà. Il faut un compost et un piston, voilà. Il faut aussi un piston. Donc voilà, faudra qu'on teste ça. Ça pourrait être pas mal pour trouver des mineshafts ou même le stronghold. Ça pourrait vraiment être pas mal. Donc on va revenir à notre maison qui est tout là-bas du coup. On va revenir à la maison, on va prendre notre bouffe. Et on va partir miner l'obsidienne. On va partir miner l'obsidienne et il va falloir qu'on mine aussi du diamant pour se faire un max de... Pour se faire un full diams quoi, ça serait pas mal aussi.
Ok, bon là je vais être super lent. Oh, on peut pas sprint. Manger des patates. Au pire des cas, ça va nous gêner 0,5 par 0,5, mais toujours ça. Petite dégustation de pommes de terre. Et c'est reparti. Donc, ah ouais, on est plutôt loin. On est plutôt loin. Ça fait rien, on va y aller, on va tuer la petite vache au passage. Là-bas, oh, je crois que je vois. C'est une tour là-bas, c'est une tour d'un village, je crois. Tout derrière là-bas, on la voit un peu. Ouais. On va y aller par la suite. On va faire pas mal de villages. Mais d'abord, j'ai vraiment envie de miner mon petit diamant et mon obsidienne. Je pense que ça va être la priorité pour l'instant. Je pense que ouais, on va faire une priorité sur ça. Oh là là, ça c'est vraiment énervant de ne pas avoir de bouffe. Alors, canne à sucre, on va casser pour les livres. Ouais, on va faire une petite plantation de canne à sucre juste là. Hop. Mince, c'est tombé. Allez, donne-moi de la canne à sucre. Hop. Ok, donc là on a notre petite plantation de canne à sucre. On va revenir chez nous. Bon, je vais passer là, je m'en fiche. Tac, on referme. Du coup, ici on a notre viande de porc et ici on a nos petits steaks qui nous attendent. On va faire cuire nos patates. Comme ça on aura vraiment pas mal de bouffe. Et là on va être super bien. Ouais, déjà là on est pas mal. Ok, déjà on est pas mal. Alors du coup, comme je vous le disais, on va aller miner. Ça, depuis tout à l'heure je le dis, j'y suis toujours pas parti. Épisode précédent, il me semble qu'on avait trouvé une faille par là. Il me semble, mais c'est pas. Ah non, c'était de l'autre côté parce que de l'autre côté il y a le temple et c'était justement vers le temple qu'il y avait cette faille. Donc on va y aller de ce pas. On va y aller de ce pas et on va trouver du diams en principe. Oh, et du lapis lazuli, ça c'est bien. Ok. Lui, on lui saute dessus. Ok, nice. Ok, alors ici on va faire attention. On va pouvoir se faire nos premiers blocs d'obsidienne. Espérons que. Ok, nice. C'est vraiment bien. Il n'y a pas de trop de profondeur, j'ai l'impression. Dans ce lac de lave, il avait l'air d'être qu'en surface. Ah ouais. Si c'est ça, c'est vraiment bien par contre. Ça veut dire qu'on peut miner en sécurité. Bon, on va faire attention quand même, on va rester prudent, on va pas faire les fous non plus. Pour l'instant, on se met ultra bien. Hop. On a toujours notre petite source d'eau au cas où que ça brûle trop. Je pense qu'on va se faire tous nos blocs pour le portail du Nether juste ici. Je sais pas combien on en est pour l'instant. Ok, on en est à 7. On va en miner une dizaine, comme ça on est large. Je sais pas exactement combien c'est le portail du Nether. Je crois que c'est 12. Mais au cas où, on va en prendre 12. Allez, on va en prendre 12. 9, en sachant qu'on en a déjà un là-bas. On va s'en prendre 11. Bon, on va s'en prendre 12 quand même, on sait jamais. C'est un peu long de miner, mais. Oh! J'ai eu super peur là, par contre. J'ai cru que j'allais mourir. Là, faut faire attention parce que le lac de lave est un peu plus profond. Ok, on est à 12. Là, on s'est mis bien. On a toute notre psy pour le portail. On va se refaire ça et on va se faire des torches. On va s'en faire 12, comme ça on est vite fait large niveau éclairage. Hop. Alors ici on a encore un lac de lave. On va prendre le lapis. Ouais, on va prendre notre petit lapis. On va prendre le fer aussi. Et voilà, comme ça on est bien. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Ok, la grotte continue, ça c'est bien. On est couche 20, on va essayer de descendre un peu pour trouver du diams. Ce serait pas mal. Ah ouais, continue vachement les grottes, c'est vraiment bien ça. Ah ben on est carrément dans une faille en fait, j'ai pas vu. Oh, j'en ai posé deux. On va en récupérer une, on va pas gaspiller nos torches quand même. Aïe 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 aïe. Aïe. What, je vais où? J'y vois rien, à l'aide. What? Il est où le bébé zombie? Il est là. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un spawner de zombies parce que.
Alors, je sais pas du tout si c'est un spawner, peut-être que j'ai dit ça totalement random. Ouais, non, je pense pas qu'il y en ait quand même. Ok. On va prendre la redstone, ce sera utile pour faire le piston et le glitch de X-Ray, même si je pense que pour l'instant on va pas le faire, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Ce sera peut-être plus utile pour le stronghold. Alors déjà on a de l'or ici, c'est vraiment bien. On commence vraiment à se mettre ultra bien. L'or ça va être pas mal pour l'échanger avec les piglins dans le Nether. Hop, on casse tout. Ok. Ok, on est bien là. On est bien, bien, bien. Oh! J'ai pas vu ça. Pas l'air d'avoir de diamants par ici. Pas l'air d'avoir trop de diamants par ici. On va vite faire regarder là-bas. Non. Toujours pas de diamants. On va se déplacer par là. On est couche 13. Il devrait avoir du diamant pas loin. Il va avoir du diamant, donc on va peut-être tomber dessus, ou peut-être qu'on va jamais en trouver. On va voir ça par la suite. Ça sert à rien d'en mettre une ici en vrai. Pour remonter, je vous dis pas la galère que ça va être. Allez, pose-toi. Ok. Oh! Le diamant! Vous l'avez vu. J'espère qu'il n'y en a pas que un, ce serait un peu dommage. Comme quoi, faut bien regarder partout. On va mettre de la pierre autour. Ok, on a bien asséché la zone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser ici. Ok, c'est nice. J'ai eu peur que la lave prenne notre diamant. Finalement, on s'en est sorti plutôt sain et sauf. On est couche 11, on est vraiment à la bonne hauteur pour le diamant. On va pas remonter du coup. Allez, on repart par là. On va éviter de mourir ici. Il y a vraiment beaucoup d'eau ici, je trouve. C'est vraiment une grotte inondée. Il y a du lapis. On va le prendre. La pioche en diamant, c'est très très utile pour l'instant. On revient avec notre petit diamant pour l'instant, on est bien. Franchement, je pense qu'il doit y avoir d'autres diamants. Ce serait bizarre qu'il n'y en ait pas. On va regarder quand même ici parce que tout à l'heure il était un peu caché dans l'obscurité. On va se refaire des sticks. Et on va essayer de trouver du charbon. Il y en a juste là. On va se faire des petites lampes. Des petites torches. Petite torche. Juste là. Ok. Ouais, j'entends encore des zombies, mais il y en a partout, décidément. C'est vraiment abusé. Mais je pense vraiment qu'il y a un spawner, c'est pas. Bon, le zombie villageois, on s'en fiche un peu. Même si on pouvait le retransformer en villageois, on s'en fiche. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un spawner plus haut là-bas parce que. Je sais pas, c'est la. J'ai l'impression que c'est la 20e fois qu'il y a un zombie qui arrive de tout là-bas. Donc, on va aller quand même vérifier par curiosité, on sait jamais. Ou alors c'est juste qu'il spawn parce qu'il n'y a pas de lumière. Tout à fait logique comme raisonnement aussi. J'entends vraiment beaucoup de mobs, ça fait peur. Attendez. Oh, ils viennent d'en haut là en fait. Ok. Oh, mais il y a un spawner, oui! Il y a un spawner. Espérons qu'il y ait du diams dedans. Ok. Wow. Pas trop de trucs intéressants ici. Bon, allez, on a du fer quand même. On va pas se plaindre. Des sels, du fer, de la poudre à canon. Ici, on a une monture pour cheval là en or. Non, franchement, on va pas se plaindre. C'est quand même pas mal. On va prendre le pain pour la nourriture. Le blé aussi. On va échanger le pain et le blé parce que voilà. Il y a des araignées qui marchent dans mes oreilles, c'est horrible. L'arc qu'on le pose, il a plus trop de durée de vie. Alors, pas ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on revient finalement dans notre faille. On va aller un peu plus loin par là. Mais quoi, mais il meurt pas?
Ouais, il mourrait jamais lui. Comment on se perd dans les grottes, c'est. Jamais vu ça de ma vie. Ah bah finalement on est revenu dans la grosse faille je crois. Bon, on va essayer de remonter. On va essayer de sortir de cette grotte, on va aller dans le Nether directement. Et pourquoi pas se faire un petit équipement en Netherite si on en trouve. Parce que ça va être pareil, ça va être ultra chaud à trouver. Allez, on remonte. Là, je me souviens, c'est par là qu'on est monté, ouais, parce que justement, il y avait ce gros trou dans lequel on est tombé. Et à partir de là, tout s'est enchaîné trop vite pour moi. Ah, va falloir qu'on se fasse un briquet. Va falloir qu'on se fasse un briquet, les amis. Alors, pour faire un briquet, il nous faut du gravier. Pour obtenir du silex. Et je sais pas où c'est qu'il y en a. En soi, il y en a dans l'océan du gravier. Peut-être qu'on peut y aller du coup. Je sais pas. Déjà, on va prendre nos patates. Prendre nos petites patates, on va mettre notre fer à cuire. Et ici, on va mettre les minerais d'or. Et juste là, on va construire. Alors, peut-être que j'ai un flint steel ici. J'en ai pas. Je n'ai pas de petit silex ici. Donc, notre portail, on va le faire juste là. Prendre des blocs. Faire un truc symétrique pour que ce soit joli. Voilà. Alors, maintenant on a notre portail du Nether. Il nous faut maintenant un briquet. Alors, peut-être qu'il y a du silex là-dedans. Non. Non plus. Vous allez voir que le matériau le plus facile à trouver, on va pas le trouver. Alors que c'est lui qu'il nous faut. Est-ce que ça nourrit bien ça? Ah oui, ça nourrit vraiment bien ça. Patate cuite là, ça nourrit pas mal. Alors du gravier. Oh là là. C'est quoi cette galère là? On est vraiment dans une galère, mais j'ai jamais vu ça. Gravier, gravier. Peut-être dans cette grotte va peut-être nous sauver. Oh oui. Elle nous sauve vraiment? Il y a du gravier là? Là, faut miner du gravier. Espérer trouver. Espérer trouver un silex. Oh, hop là, silex. Le briquet. Et on a tout ce qu'il faut pour aller dans le Nether, les amis. Oh là là, je suis hype. Bon, j'ai été dans le Nether des dizaines de fois, mais là, je suis super hype d'y aller. Allez, allez. Toi, tu fais pas. Toi non plus. Allez, hop, on s'en fout. Y a même pas de pitié pour les bébés animaux. Bon, allez, lui, on l'épargne. Le petit cochon, on l'épargne. Faudrait qu'on fasse un élevage d'animaux. Faut qu'on fasse trop de choses dans cette survie, de toute façon. Qu'on fasse beaucoup trop de choses. Ok. Attention. Let's go. Le portail du Nether. Allez, on y va. Alors, attendez. J'ai tout brisé, tout le suspense, tout ce qu'il y avait, je l'ai brisé. On va se prendre ça. On va poser tout ce qui est inutile. Notre diam, bon, c'est pas inutile, mais c'est inutile à notre aventure dans le Nether en tout cas. Des torches, pas très utiles, on va poser tout ça. Ça on pose, la viande on garde quand même. Ça on pose. Ça on pose, ça on pose, ça on pose, ça on pose, ça on pose. Ça on garde, ça on pose. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Peut-être prendre des blocs. Est-ce que j'ai des blocs? Bon, pas de blocs, au pire on prendra des blocs du Nether dans le Nether. Voilà. Bon, je pense qu'on est plutôt bien. On est paré à l'aventure. C'est parti! N'oubliez pas votre petit pouce bleu si vous aimez ce petit let's play. C'est parti! On spawn dans un biome du Nether déjà. On spawn dans un petit biome avec des champignons carmin. Je sais pas quel est le nom de ce biome si vous le savez. Oula, 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 qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'apocalypse, ça commence. C'est l'apocalypse. On va prendre des petits champignons comme ça aussi. On va faire des petits élevages. C'est un peu le Sgar ici. C'est vraiment l'apocalypse. Il y a tout qui brûle de partout. Mais le biome est stylé. Oh! Super peur ça. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est pas grave, tant qu'il me tue pas, moi ça me va. L'impression qu'on est en difficile tellement je perds de nourriture. Oh lui là-bas il est tout en or le gars. Pourquoi j'ai entendu un Enderman? Oui il y a des Endermans, d'accord. Il y avait d'Enderman ici. Ah ben en soi on peut farmer les Endermans, alors attendez. Parti où? C'est eux qui font ces bruits bizarres là? Ok, il nous a drop une underpearl, let's go! On se met bien. Ok, il nous drop l'underpearl. Mince, 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 mince! Il fait très mal! Et là. Ok, une. Oh, il nous a pas drop d'underpearl, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum, bon, c'est pas grave. Le gars, t'as pas l'air de trop vouloir nous attaquer pour l'instant. On va pas s'en plaindre. Le quartz, on va en prendre un peu aussi, je sais pas à quoi ça va nous servir. J'ai plus trop les crafts en tête, mais vas-y, on va le prendre quand même. Mince, mince, mince! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Saleté de monstre. Je les déteste, mais j'ai jamais vu ça. M'exaspère ces monstres. Peut-être qu'il faut aller par là. C'est le biome de Nether, du Nether de base. Je pense que... Hop, aïe, 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 aïe. Vite, vite, faut manger. Là, vraiment, c'est des enfers ici, c'est... Allez, remonte, petite vie. Le ghast disparaît des fois, tu sais pas où il va. Il y en a partout. Aïe. Oh, mais attendez, mais je suis débile. Comment je reviens dans le monde normal? Ah, mais je crois que j'étais juste au-dessus là, non? Non, j'étais dans un biome pas pareil. T'es dans un biome avec des champignons. Oh, je suis débile. Vite, faut le retrouver. On va éviter de sauter ici. Je crois qu'on était passé par là. Et qu'on avait failli tomber ici. Alors attendez, parce que là, vraiment, si on a perdu le portail, on est dans la merde. Vraiment. Parce que là, on a perdu la survie sinon. On peut pas trouver de l'obsidienne dans le Nether. Sauf avec un. Non, même pas avec un seau d'eau, on peut pas poser d'eau dans le Nether, donc c'est chaud. D'après mes souvenirs, on est au-dessus là-bas. Ah non, on était en bas. On est monté ici. Est-ce que j'ai vu juste? Ou est-ce que je me suis totalement trompé? Voilà, on est monté ici. Mais je crois que juste avant, on est descendu. Ah non, 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 ok, c'est bon. Oh, j'ai eu la peur de ma vie, les amis. On va revenir dans le monde normal. Je crois qu'on peut leur troquer des trucs à eux. Ils ont des arbalètes et tout. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ok. C'est tendu. C'était tendu. Pas mal de fer. Hop, et on a le début de nos underperles. On va se crafter ça et on pourra faire des échanges avec les piglins. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est allé dans le Nether, c'était déjà assez long et assez fastidieux. C'était assez dur d'y aller. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour l'épisode 4 de la série. En attendant, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications pour pas louper le prochain épisode. C'était Obijawa. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.